dans les monts Mandingues, il y a une enclume de pierre. C'est l'enclume primordiale que Dieu lança au commencement du monde. Elle creusa le lac Bosumtwi, près de Kumasi au Ghana. Elle rebondit et vint se planter à 2000 km ici, sur la rive gauche du fleuve Niger. C'est l'enclume du Mandé. Ici vécurent les premiers Dogons. Ici eut lieu le premier Sidi. À côté des ruines d'argile en chevron, de fortifications oubliées, on découvre encore, sur les affleurements rocheux, des cupules. Des traces de tambours de pierre, les premiers tambourinaires, ou des traces de meules dormantes, où les femmes Dogon préparaient la bière de mil du Sidi. Les Dogons vécurent ici jusqu'au XIIe siècle. Alors, la pression croissante de l'islam les chassa, ils partirent vers le nord. La migration suivit le fleuve Niger. Ce fut une très longue errance qui ne s'arrêta que lorsque les Dogons aperçurent les falaises de grès de Bandiagara qui barraient la plaine du Gondo. Ils avaient retrouvé les montagnes qu'ils avaient quittées un ou deux siècles auparavant, un refuge inexpugnable et un inépuisable château d'eau. Les Dogons avaient découvert le pays Dogon. Les Dogons ont transporté la terre sur la roche. Ils l'ont retenue par des carrés de pierre. Ils ont cultivé le mil, le sorgho, le riz, le sésame. Au-dessus des vallées de culture, les Dogons ont utilisé les abris sous roche aménagés par les anciens habitants, dont on voit encore les traces de doigts dans des enduits d'argile vieux de 24 siècles. Quand la sécurité sembla assurée, les Dogons ont bâti leurs maisons de pierre et d'argile sur les plateaux escarpés ou sur les éboulis du pied de la falaise. Dans les cavernes refuges, les Dogons ont découvert les nécropoles abandonnées des hommes d'avant et les ont utilisées comme cimetières. Les Dogons disent que leurs ancêtres morts, ressuscités sous forme de serpents, en rampant sous la terre, suivirent leur migration, depuis les monts Mandingues jusqu'à la falaise. Ainsi, furent sauvegardés des rituels funéraires qui règlent minutieusement les rapports des vivants et des morts. Le cadavre, enveloppé dans la couverture des morts, dont les rayures rappellent les champs carrelés, signe de fertilité, salués par les chants des pleureuses, sont tissés jusqu'au cimetière dans la falaise. Ainsi, la souillure de la mort est éloignée du village. Six mois plus tard, les combats des funérailles confient l'âme du défunt au génie de l'eau de la mare. Tous les 4 ou 5 ans, le dama, le lever du deuil, les danses des masques sur les terrasses des morts entraînent les âmes errantes vers le séjour des morts, là-bas, à Manga. Par ces trois rituels essentiels, les morts sont devenus des ancêtres. Mais leur immortalité dépendra du culte de leurs répondants, de leurs nannies, dont la vocation est préparée dès la procréation. Comme au début du monde, quand le génie de l'eau révéla le langage aux ancêtres, la parole est créatrice, son écho
et la naissance. Si la mère met au monde deux jumeaux, comme au premier temps des hommes, on l'habille de blanc et on lui rase la tête pour la confier au génie de l'eau. Puis l'enfant est materné. Il tète sa mère pendant 2 ou 3 ans et ne quitte pas son dos. Il n'a pas de sexe déterminé, ou plutôt, il est à la fois garçon et fille. Vers 7 ans, la circoncision, en supprimant le principe femelle du prépuce, fait de l'enfant un garçon, comme le fit à l'aube du monde le forgeron, le héros civilisateur, en inventant la sexualité. Alors de jeunes hommes peuvent rentrer dans le rectangle de pierre qui représente le monde, des nouveaux répondants, des nannies, pourront assumer les rituels anciens. Ainsi, depuis les monts Mandingues jusqu'à la falaise de Bandiagara, les enterrements aux funérailles et aux danses de masques, les procréations aux naissances, au maternage et aux circoncisions, les générations de Dogons, d'hommes et de femmes, se sont succédées, mais en restant liées les unes aux autres par le jeu éternel des nannies, des répondants, tissant entre les âges une trame alternée, comme le damier des champs de mille ou les pierres miroitantes des hôtels de lignage gardées par les vieillards et leurs petits-enfants. Hein? Les Dogons sont allés plus loin. Ils ont transporté leur paysage. Cette rivière, la Gona, c'est le fleuve Niger, depuis sa source jusqu'au lac d'Ebo. Cette mare de Yugo, c'est l'impact de la chute de l'enclume. C'est le lac Bosumtwi, au Ghana, à 2000 km d'ici. Et même, du néant original, les Dogons ont fait retomber du ciel l'enclume primordiale du Mandé, la pierre unique, l'enclume de village de Yugo. Les Dogons sont allés encore plus loin. Dans ces paysages transportés, ils ont dégagé des espaces pour mettre en scène les temps perdus. Ici, à Kukulukomo, ils ont représenté le décor de la révélation de la parole aux premiers hommes. Dans la brume, depuis l'autre rive du fleuve Niger, le génie de l'eau parlait. Dans la caverne, un des ancêtres répétait ses paroles. Les premiers hommes, à côté des jarres de bière représentées par des blocs de pierre, apprenaient à parler, les oreilles ouvertes par la bière. Derrière, les Dogons, le premier griot, scandait les paroles sur un tambour de pierre. Ce fut le premier sigui. Alors tout est possible. L'espace et le temps n'existent plus. Dans les cavernes de Yugo, ou sur le grand livre d'images de l'auvent de Songo, on peut raconter l'histoire de la création du monde, l'aventure d'Ogo, le renard pâle, le maître du désordre, l'ennemi du génie de l'eau, qui procréa avec sa mère des générations d'enfants incestueux, les Yeban et les Andumbulu. Sous l'enclume de pierre, dans les cavernes de Yugo, les Andumbulu sont toujours là, modelés depuis des siècles dans l'argile crue. Ce sont eux, ces enfants du désordre, ces nains à grosses têtes, qui inventèrent la première mort et les premiers rituels. Ce sont eux qui apprirent en murmurant aux premiers guérisseurs, Diongu Seru, la langue rituelle, le Sigisso, la langue du Sigi, la langue des immortels. Diongu Seru en mourut. Alors, les hommes commémorèrent à la fois la mort de l'ancêtre et la révélation de la parole. Depuis, tous les 60 ans, la caverne des Andumbulu rougeoie et des observatoires, Sirius et ses satellites se conjuguent. Le temps du Sigi est venu. Les dernières cérémonies du Sigi avaient eu lieu en 1907. Aucun observateur n'y assistait. En 1931, au cours de la mission Dakar-Djibouti, Marcel Griol, avec plus de 20 ans d'écart, recueillait des informations considérables sur ce rituel inconnu. En 1965, 10 ans après la mort de Griol, la rumeur de la falaise dit que le temps du Sigi approchait à nouveau. En 1966, avec Germaine Dieterlin, Ambara, Ireko, le chef de Kudunda, Amadinier, Moussa, nous sommes allés visiter le Haut-Gondaru.
Dogon Daru est le chef religieux des Dogons, société sans état. Il est le témoin de Dieu sur la terre, le maître de la pluie. Il ne cultive pas, il ne sort pas de son petit village perché, il reste toute la journée dans sa caverne. Avant d'aller. Avant d'aller. Et quand Ambara demande au Gondaru si nous pouvons filmer le sigui qui s'annonce, le chef religieux des Dogons répond que Dieu vous fasse voir le sigui. Déjà, dans la cour du Ogon, les fagots symboliques pour la préparation de la bière de mille s'entassent à côté de ce cercle de pierre, autre témoin de la chute de l'enclume. Voici venir le temps du sigui, qui est prêt à s'envoler de l'enclume de Yugo sur les ailes du vent d'Est. Marcel Griol avait déjà esquissé le trajet du sigui. Il partirait d'ici, de ce massif triangulaire, avant-poste de la falaise dans la plaine du Gondo. Et pendant 4, 5, 6, 7 ou 8 ans, il parcourrait une cinquantaine de kilomètres de falaise, volant chaque année d'un groupe de villages à un autre groupe de villages sur les ailes du vent d'Est. En décembre 1966, quand nous arrivons à Yugo, le village est vide. Il n'est peuplé que des vieillards, des femmes, des enfants et des tortues, témoins des hommes absents. À l'ombre du toguna, de l'abri des hommes, Ambara questionne les vieux. Pouvons-nous voir le sigui? Va-t-il avoir lieu? Oui, c'est le temps du sigui. Oui, les hommes sont partis à Ghana, en Côte d'Ivoire, à Bamako, ou plus simplement dans les villages de la plaine. Mais dans un an, ils seront tous là. Et si Amma veut, si Dieu veut, vous verrez le sigui. Vous en êtes sûr? Oui. Vous verrez, quand les hommes âgés de moins de 60 ans, conduits par les anciens, entreront sur la place publique, ici, devant le toguna, devant notre abri des hommes, tous en tenue du sigui, par rang d'âge, comme un serpent, alors que les tambours battent le rythme du chemin. Oui, le masque est sorti depuis longtemps, depuis longtemps. Le sigui est sorti depuis longtemps. Vous, répondez au chant. Oui, le sigui est sorti depuis longtemps. Et voilà ce que nous avons vu à Yugo Dogoro en 1967. Thank you.
le jour. Dansez, remuez-vous, c'est votre jour. Les anciens vous dirigent, salut aux anciens d'abord. Regardez comment font les anciens, hommes de brousse, dignitaires de loup-barou. Recevez le salut de la brousse. Oui, le masque est sorti depuis longtemps. Oui, le masque est sorti depuis longtemps. Chantez, répondez aux chants, répondez aux chants. Thank you.
Maintenant, il faut boire la bière de mille. Hommes de brousse, dignitaires Zoulou-Barou, nouveaux initiés, asseyez-vous ici pour boire la bière du Sidi. Toute la nuit, il a plu. Pourtant, nous sommes au milieu de la saison sèche. Les Dogons disent, c'est un message de fertilité envoyé par le Ogon Daru, le maître de la pluie. Et les jeunes bergers jouent sur leur flûte les airs du temps de la première pluie, du temps des semailles. L'après-midi, les anciens préparent des branches d'épines. Est-il facile d'entrer deux fois dans le Sidi? Si c'est facile, je veux y entrer deux fois. L'affaire du Sidi, est-ce facile? Et par an d'âge, conduits par les plus anciens, les hommes de 60 ans et les petits garçons de 6 ans passent sous les épines. Demain, le troisième jour, le Sidi quitte Hugo pour son long périple. Et les temps
tambour joue Osboy, le rythme du chemin. N'est-ce pas la parole des hommes de la brousse? Le masque aux yeux rouges, parole des hommes de la brousse. Qui peut parler, n'a qu'à parler, le masque aux yeux rouges. Les hommes de Yugodogoru vont porter le sigui au village de Yugona, qui dans 5 jours le portera au village de Yugopiru. Ce sera la fin de cette année du sigui. Ce que nous avons vu la première année à Yugo en 1967. Le masque aux yeux rouges. Il n'y avait pas de masque. Ce n'est que l'année suivante, à Tyogu, que nous avons commencé à comprendre. Tyogu est un village d'Ebouli de l'autre côté de la plaine du Gondo. En février 1968, le Sigui est arrivé à portée de Yugo par le chemin de Yenduma. Une femme revient des points d'eau du plateau pour apporter l'eau la plus pure pour la bière de mil. Un homme rapporte un morceau de bois qui servira au feu qui fait bouillir la bière. Salut de brousse. Salut de travail. Quand Amadinier descend de Tyogu du haut vers Tyogu du bas, on bat déjà le premier appel sur le tambour du sigui. Vallée fertile de Tyogu, où l'on cultive le tabac et les oignons. Et là-bas, au loin, on voit le massif de Yugo. Les hommes achèvent les préparations. Voici, pour la première fois, des baudriers de kauri que nous n'avions jamais vus et que Griol avait décrit en 1931. Les petits coquillages, la monnaie du temps passé, sont cousus sur des bandes de coton. Ils brillent comme la laitance des œufs de poisson. Alors qu'à Yugo, tous les hommes étaient torse nus, à Tyogu, la plupart porteront ces bretelles étincelantes. On achève de broder ces bonnets pointus de coton, pointus comme une tête de poisson, témoin du premier stade de la création des hommes. Les hommes se rasent soigneusement entre eux pour être comme des nouveau-nés. Que ceux qui savent raser viennent nous aider. La nuit va tomber. On n'est pas assez nombreux. On ne sera jamais prêt. Quand on s'est bien rasé la tête, on peut danser pendant toute la journée. Alors, on rassemble les donos, les crosse-sièges, taillés dans le bois de Sa, l'arbre du génie de l'eau, témoin de son sexe arraché. À Yugo, elles étaient blanches, mais ici, à Tyogu, on les teint en rouge avec une décoction d'oseille sauvage. C'est le dernier appel du tambour. Préparez-vous, habillez-vous. Quand les
nouvelle descendante du village, nous suivons la file des jeunes garçons qui ont déjà revêtu l'uniforme du Sigui que portent, comme à Yugo, tous les hommes de moins de 60 ans. Au Toguna d'en bas, les hommes sont déjà prêts. Un ancien et un tambourinaire partent les premiers. Suivi par un Oloubarou. Un Oloubarou, un dignitaire, qui achève aujourd'hui sa retraite d'initiation de 8 semaines. Il s'agit de traverser la vallée et de visiter les sites des anciens villages de Tiogou, là-haut dans la montagne. C'est là que jadis se tenait le Sigui. Là, on chante les vieux chants du Sigui. On est allé à la maison du père. Montrez-moi le chemin de la caverne des masques. La procession du Sigui revient vers le village. Les épines empêchent de marcher, faute de sandales. Les épines empêchent de marcher, les épines de la plaine. Alors, conduit par les anciens, le Sigui rentre sur la place publique de Tiogou, en dessinant, comme l'année dernière à Yugo, un serpent. Image de l'ancêtre, du premier mort prêt à renaître sous forme de serpent immortel. Les hommes poussent le cri bref du renard. Un ancien encourage les danseurs en langue du Sigisso, la langue des immortels. Commencez, dansez bien, c'est votre jour, remuez-vous, suivez le chemin, suivez le droit chemin, écoutez les tambours, vous êtes bien habillés. Les hommes ont les yeux fixés sur vous. Vous avez eu votre jour du Sigui. Continuez avec les coutumes. Remuez-vous. Aujourd'hui, dansez bien. Ama vous a donné le jour. Merci de travail. Alors, les hommes tournent autour du figuier, à l'ombre duquel sont les jarres pleines de bière de mil. La bière qui ouvre les oreilles aux paroles du Sigisso, la langue du Sigui. Sur cette place publique pendant 2 jours. Le 2e jour, apparaît dans le défilé la seule femme du Sigui, la sœur du Sigui, la jumelle du renard pâle, Aya Siguiné. À Yugo, il y avait 4 sœurs du Sigui, dont une femme très âgée. Ici, c'est une toute petite fille, portée par son père à l'épaule, qui tient à la main la calebasse à long manche, un signe de la Aya Siguiné. Marchez, dansez,
C'est l'ancienne coutume. Il fait chaud, prenez courage. Suivez le chemin, c'est le droit chemin. Dieu vous a donné le jour. Allez chez le Père. Salut le Brousse. Continuez à travailler toute la journée, c'est notre coutume. Alors, on sert aux hommes et aux garçons la bière qu'ils boivent assis sur les donneaux, sur les cannes-sièges. Les danses reprennent. Les gens de Thiobou sont réputés les meilleurs danseurs de la falaise. Ils dansent affrontés, comme aux funérailles, mais les anciens, avec leurs longs bâtons, séparent les rivaux pour éviter la concurrence. C'est notre coutume. De ce dernier soir, la place de Thiobou est animée par la file des danseurs, classés par rang d'âge et qui dansent, témoins d'un serpent en train de renaître. Le lendemain, avec Ambara et Amadigné, nous visitons la caverne des masques. Devant l'entrée, nous découvrons le premier grand masque du Sidi. Il n'est pas dressé, il n'est pas peint, il est juste taillé, couché, calé par des pierres. C'est le serpent, c'est Diongou Serou, le premier ancêtre dont on avait célébré la mort l'année dernière à Yougo et dont on vient de célébrer à Thiogou les funérailles. Il n'est pas encore vivant, mais il a déjà la queue en bec d'oiseau, comme le dernier masque du Sidi de 1908 et dont la peinture est encore visible. Le chef des masques de Thiogou et son adjoint répondent aux questions d'Ambara et d'Amadigné. Oui, le précédent Sigi a eu lieu il y a 60 ou 62 ans. Je ne peux pas dire exactement. Qu'allez-vous faire du masque? Quand le masque sera peint, on le rentrera à l'intérieur de la caverne. Dans la caverne, combien y a-t-il de masques? Il y a tous les vieux masques des Sigi. Peut-être 3, peut-être 4. Nous ne savons pas très bien.
Dans la caverne du Sidi, nous découvrons quatre masques. Celui de 1908, celui de 1858, celui de 1798 et celui de 1738. Devant la caverne, blanc inachevé, le serpent nouveau attend la peinture, témoin des quatre éléments, blanc d'air, rouge de feu, noir d'eau, ocre de terre. Effectivement, l'année suivante, en 1969, à Banani, nous voyons les grands masques peints. Il y en a deux. Pour les deux quartiers de ce petit village du pied de la falaise, Banani Kogoro et Banani Banissou. On les a dressés au milieu de la place publique et les hommes tournent et dansent autour d'eux. S'asseyent en rond sur les grosses sièges pour boire la bière du miel. Ce seront des hommes assis sur les cannes-sièges, buvant la bière autour des masques dressés que Griot nous avait laissés, d'après ses informations de 1931, et que nous voyons pour la première fois au début de cette troisième année. Mais le Sidi ne s'est arrêté ici à Banani que deux ou trois jours. Dans une semaine, il poursuivra son périple. Il escaladera la falaise et viendra à Bongo, sur le rebord même du plateau. Les quatre villages de Bongo dominent la plaine du Gondo, juste au bord de la falaise. Entre ces villages, dans une vallée de plateau, il y a un champ commun du lignage. Là, en février 1969, les anciens de Gogoli et de Bongo préparent le Danu Sidi, un cône d'argile crépi. C'est l'ancêtre, le premier mort, Yongu Seru, prêt à renaître sous forme de serpent et levé sur lui-même. En rouge d'oseille et en blanc de bouillie de mil, les anciens peignent ses écailles. Un poteau à huit crans et à tête de fibre est peint en rouge et en blanc. Ce sont les huit âmes essentielles qui manquent encore pour que la résurrection du serpent soit possible. La touffe de fibre rouge sera le signe de l'immortalité. Quand le poteau est planté sur le serpent levé, on achève la métamorphose par le dessin sinueux de la vibration initiale. En face, au-dessus de la caverne de la circoncision, le nouveau grand masque, peint en rouge et en blanc, attend d'être dressé. Le responsable du Sidi de Bongo qui se prépare est le chef du village, Akunyo. Sous la surveillance de son père, le vieil Anaï Dolo. Le vieil Anaï a été rasé et son crâne a été oint d'huile de sésame, l'huile de l'intelligence. Anna y a vu deux sigis. Celui-ci sera son troisième, il a 120 ans. Devant lui, les anciens se partagent les cubes de sel gemme, le tabac
le sésame. Les nouveaux dignitaires, les Oloubarou, sont en face. Ils achèvent une retraite de 8 semaines dans la caverne du Sigui. Derrière cette murette d'argile qui leur sert d'abri, ils attendent que les anciens leur apportent à manger et à boire. Depuis quelques jours, ils sont aidés par des servants, les Kabaga, qui leur apportent la bière et la nourriture. Les Kabaga taillent aussi les rhombes, que nous voyons ici pour la première fois. Les rhombes, cette palette de bois que les initiés Oloubarou font tourner au bout d'une corde et qui rugit comme un lion. Le rhombe, qu'à Bongo on appelle du nom même du grand masque, Iminana, car sa voix est la voix des ancêtres. Il y a 3 rhombes, le renard pâle, maître du désordre, le poisson Anagono, maître de l'ordre, et Diongou-Sérou, le premier mort. Seuls, les initiés peuvent les tourner, car ce sont eux les Nani, les répondants des premiers ancêtres immortels et du premier mort. Et c'est la dernière nuit de la retraite des nouveaux dignitaires. Comme le premier initié devenu impur par son contact avec l'âme du premier mort, les initiés sont relevés de tous les interdits concernant la mort. Ils sont les fils du grand masque et des ancêtres serpents immortels. Le soir, l'un d'eux tourne le rhombe du renard, circoncis, dents et larynx arrachés, et qui hurle quand le moniteur céleste le fait tourner en le tenant par la queue. Bonne brousse, tu as une belle voix, le masque pleure, tu as une grande voix, tes yeux sont de soleil, tes yeux sont de feu, tes yeux pleurent des larmes qui tombent sur ta poitrine. La nuit, les 2 autres rhombes, celui du poisson et celui de Diongou-Sérou, rugiront pendant que les anciens dressent les nouveaux grands masques devant la caverne du Sigui. Le lendemain, chacun peut les voir. Ils sont là, tous les 4, la tête dans le témoin de pierre de la mare. Noir, blanc et rouge, symbole du serpent mort. Blanc et rouge, symbole du serpent vivant. C'est devant l'ancêtre serpent, 4 fois présent, que se rassemblent les hommes du Sigui. Ici, ils portent tous la tenue décrite par Marcel Griot. Pantalon de coton noir, baudrier de cori, haut bonnet en tête de poisson, chasse-mouche, calebasse, crosse-siège. Et un ancien dit, si Dieu n'a pas gâté la fête, rien ne gâtera le Sigui. Les hommes font en silence le tour du champ de lignage, puis ils reviennent s'asseoir devant la caverne du Sigui. Asseyez-vous, face à l'est. Et, comme des serpents en mue couchés sur le sol, les 4 masques du Sigui sont représentés par tous les hommes, assis côte à côte sur le champ de lignage, présidés par l'ancêtre Diongou-Sérou, ressuscité sous forme de serpent, dressé devant la caverne du Sigui. On distribue la bière mêlée à l'huile de sésame, la bière qui ouvre les oreilles. La nuit est venue. La soif va nous tuer. Prends la part des vieillards. Verse quelques gouttes par terre. Apporte la part du vieil Anaï à la maison. Son fils est là. Il faut lui donner. Un homme de Yougo est venu. Donnez-lui une calebasse.
Où est le plus âgé de Hugo? Où est-il parti? Je ne le vois pas. Et donne la calebasse. Je vais la lui porter. Ensuite, les anciens distribuent la bière aux hommes du Sidi. Les jeunes disent, nous n'avons pas bu. Mais les enfants, eux, ont trop bu. Ils titubent, surveillés par leur maman, assise sous un baobab. D'autres se sont réfugiés à l'ombre de la caverne, près des quatre grands masques. Un ancien les chasse. Reprenez vos places, taisez-vous. Alors, c'est comme au premier Sidi, la révélation de la parole. Les anciens et les tambourinaires se réunissent auprès de l'autel d'Anou Sidi. Devant, les hommes, dont les oreilles sont ouvertes par la bière, écoutent. Dans la caverne, un autre ancien parle en Sidisso. Salut de Brousse, les grands et les petits. Je vous salue. Je salue les Oloubarou qui ont passé les 8 semaines de retraite. La nuit est venue. Les anciens, conduisez-les sur le chemin. Celui qui ne veut pas voir, le masque n'a qu'à l'emmener vers l'est. C'est la coutume. C'est l'ancienne coutume. Salut de votre fatigue. Salut de Brousse. Salut de Brousse. Je vous salue de Brousse. Par un ancien, les hommes commencent à danser. Remuez-vous, dansez, c'est mou, remuez les bras, remuez les jambes. C'est beau votre coutume. Salut de Brousse, salut de Brousse. Voilà les 4 loups-barous, parés de tous les bijoux de leur sœur et de leur mère. Salut de Brousse, nouveau dignitaire. Je vous salue de Brousse, je vous salue de froid. Je vous salue de soleil, je vous salue de fatigue, je vous salue de temps passé. Le masque est sorti de l'est, la chose qui vole est sortie de l'est. Sortie de l'Est, la chose qui vole est sortie de l'Est. Vous avez bien suivi les anciens,
Salut à celui qui vous guide. Bonne journée. Kama soit votre compagnon. Eh, vous les vieux, ce n'est pas votre sigui. Vous n'avez qu'à nous regarder. Remuez-vous, c'est votre jour. Du grand jusqu'au petit, c'est votre jour. Salut de brousse, les petits. Vous dansez mieux que les grands. Vos parures sont belles, vos danses sont belles. Vous écoutez le tambour. Je vous salue. Salut de brousse. Salut à celui qui vous guide. Bonne soirée. Kama soit votre compagnon. Les parures sont belles. Écoutez les tambours. Vos parures sont belles. Et de la caverne, les vieux encouragent les danseurs qui dansent ici les danses qu'ils ont dansées il y a 60 ans. Salut les masques, c'est l'ancienne coutume, vous avez bien suivi les anciens. Salut à celui qui vous guide, bonne soirée, Kama soit votre compagnon, vos parures sont belles. Écoutez les tambours, vos parures sont belles. Il est tard, les danses s'arrêtent. Mais les plus petits garçons, portés à l'épaule par les anciens, font au centre du champ de lignage le tour de l'autel. Quand on les rapporte à leur maman, ils ont dansé le sigui. Quatre loups-barous rentrent. Ce soir, après 8 semaines d'absence, ils reviendront dans leur maison. Alors, un petit garçon suit son père autour de l'autel du champ de lignage. On lui donne une crosse siège. Ce petit garçon a bu la bière. Il danse avec sa crosse, il a fait le sigui. Salut, la nuit est venue. Vous avez fait ce que l'on vous a dit. Je vous félicite. Tambourinaire, continuez à battre le tambour. Vous avez eu la journée. Bonsoir. Alors, la nuit tombe sur la caverne du sigui qui va se clore pour 60 ans. En face, brille l'étoile de la nouvelle mosquée, repeinte en blanc, comme pour un défi. Les hommes voient les grands masques pour la dernière fois. Et nous comprenons soudain que nous venons d'assister à un dhamma, à un lever de deuil du premier mort de Diongu Serou, que l'on a enterré à Yugo, dont on a dansé les funérailles à Tiogu et dont ici, à Bongo, on a fêté l'accès au rang d'ancêtre immortel. À côté, dans une caverne voisine, on brûle les vieux habits de 60 ans, de la génération qui vient de recevoir ici le sigui et qui le passera à une nouvelle génération dans 60 ans. Le premier mort est ressuscité, lui aussi pour 60 ans,
le Sigui pourrait s'arrêter là. Quand nous revenons l'année suivante, en 1970, nous projetons ces mêmes images aux gens de bon Dieu. Mais pendant la projection, retentissent des cris de pleureuses. Le petit garçon qui tournait le dernier avec son père autour de l'hôtel de Lignage est mort il y a quelques jours. Le chef de village, Acugno, est mort il y a 6 mois et l'on célèbre ses funérailles. Sur la terrasse de l'hôtel des chasseurs, son mannequin est dressé, vêtu d'un uniforme de soldat français, car c'est un ancien combattant. Au-dessus de sa vareuse militaire, on a posé une blouse traditionnelle de chasseur, couverte des charmes magiques d'invulnérabilité. Les enfants de Bongo, dans la caverne tunnel, armés de fusils de roseau, dansent les funérailles du petit garçon mort. En face de la caverne du Sigui, comme le veut la coutume, un baobab est tombé de lui-même, comme chaque fois qu'un chef meurt. Et dans le champ de Lignage, l'hôtel d'Anou Sigui n'est plus qu'une butte de terre, comme les autres buttes. Pourtant, cette quatrième année, le Sigui est reparti. Mais les gens de Bongo sont réticents à notre poursuite. À Amani, village choisi par les anciens, on nous attend. Mais le nouveau chef du village de Bongo veut que l'on consulte d'abord le Yurugu, le renard pâle. Un devin de Bongo lisse la table de divination. Ce petit tas de poussière, c'est le village d'Amani. Ce dessin dans le sable en face représente notre voiture et ses passagers. Pourrons-nous aller à Amani, y boire la bière de mille et revenir en bonne santé? Dans la nuit, les pattes du renard venu manger les graines d'arachide versées par les devins donnent la réponse. Du moment, vous allez arrêter un peu et puis vous allez rentrer. Oui, nous aurons des difficultés. Nous pouvons partir quand même à Amani. Je vous dis de partir, même ça aussi. Et nous devions apprendre beaucoup plus tard que cette réticence des gens de Bongo vient de l'interdit de voir le Sigui plus de 3 années consécutives. Le Sigui ne nous a pas attendus. Il est déjà loin dans les éboulis de la plaine. Il suit cette route sinueuse jusqu'où? Nous ne le savons pas encore. Mais le petit renard pâle, le maître du désordre, nous a donné publiquement son accord. Nous pouvons rattraper la course vagabonde du Sigui, tout à la fois sinueuse comme le serpent, comme la mort, et spiralante comme la parole, comme la vie. C'est celle qui se dessine dans la brousse de village en village, qui se dessine par la danse sur chaque place publique et qui a été dessinée il y a longtemps sur le plafond d'une caverne. Et dans l'hôtel de Sigui, les Olvaro sont entourés faire le sacrifice. Et Ambara dit, Amani, c'est la parole, c'est la création de la vie. À Amani, les anciens conduisent déjà le défilé et amorcent la spirale de la parole. Ici, pas de baudrier de cori, mais des étoffes drapées, les étoffes de la parole. À Yugo, il y a 4 ans, nous regardions. À Amani, nous avons écouté la parole. Le Sigui est venu ici, il est passé par là. Pour respecter la spirale ancienne, il faut détruire les murs de cette maison. Oui, faites le passage, enlevez les pierres. Sans cela, elles vont tomber sur quelqu'un. Moi, mon pied et ma main ne sont pas sûrs. C'est le chemin du masque, tout droit, il faut avancer. Le chemin ne se perd pas, il faut le suivre, tout droit, tout droit. Hé, on entre ici d'abord, et puis on sort par là. C'est le chemin de la coutume.
Au nom de Dieu, allez-y. Et les chanteurs, il n'y a pas de paroles. Il faut les dire une à une. C'est le chemin du masque. On ne se perd pas. Les petites pierres sont sur le chemin. Les épines sont tombées sur le chemin. N'appuie pas ton pied dessus. Toi, toi, l'ami de l'eau. C'est le chemin du masque qui ne se perd pas. Tout droit, il faut aller. C'est le chemin du masque qui ne se perd pas. Que Dieu vous mette dans sa grâce, que la coutume vous mette dans sa grâce, vous, masque, salut de soir, vous êtes partis en brousse, vous êtes revenus à la maison. Elle est sortie de l'Est, oui, elle est sortie de l'Est. De l'Est, la chose qui vole est sortie de l'Est. Après le départ en brousse, vous avez mangé le poisson. Après le bon travail, ils sont revenus à la maison. La parole, c'est la parole des grands anciens. C'est la parole petite entrée dans les oreilles des grands anciens. Mon jeune frère, est-ce cela la parole? Oui, c'est la parole. C'est la parole. Vous avez les donneaux dans la main, tous asseyez-vous. La voix dite en haut, c'est la vieille voix qui s'est posée dans les oreilles de tous. L'entendre, la poser, c'est cela la parole. Hé, hey, ne passez pas par là, c'est interdit. C'est la parole de la pierre du haut, c'est la parole de l'enclume de Hugo. L'homme ancien s'est assis sur son donneau, il a bu la bière, la parole s'est posée dans ses oreilles. Mon cœur est ardent, ardent. Le coq a chanté, vous êtes allé travailler en brousse, vous êtes revenu à la maison. Demain matin, on visite la maison de ceux qui sont morts pendant la retraite des Oloubarou. Quand un homme est mort, la maison du mort est vide. Allons la regarder. Bonjour de matin, au matin de bonheur, bonjour, salut de matin. C'est l'aîné des ancêtres qui nous a envoyés. Le voilà venu, doucement marchons. Voilà venir le grand masque. Doucement, doucement, marchons. Salut de brousse. Salut les masques, salut les masques. Du masque, le chemin est tout droit. On ne se perd pas, il faut y aller. Les hommes de la brousse, qui restent, c'est leur parole. Celui qui veut parler, laissez-le parler. Du Sigui, en le mangeant, le plat du Sigui a éclaté. Si quelqu'un ne l'a pas entendu, allez lui dire. L'œil du grand masque est ardent. Son œil est de feu, son œil est de fer, sa bouche est grande,
Prenez le chemin devant, prenez le chemin derrière. Les pieds doivent aller vite. Allez manger et revenez sur la place. Le soir, un Oulubarou initié en 1910 déclame en Sidisso. Un œil fermé, un œil ouvert. Cette parole est la parole de Mouno. Mouno est assis. Vous tous, vous êtes assis comme Mouno. Après avoir marché devant, notre voix retentit. Après la queue de cheval que nous avons en main, nous la levons. La voix de toutes les paroles a été posée dans les paroles de tous. Maître de la parole, toi tu es le maître de la parole. C'est la parole du trou de l'enclume de pierre. La parole des Yéban immortels s'est posée. La parole des Andoumboulous de l'enclume s'est posée. La grande parole s'est posée devant. La grande parole s'est posée derrière. Dieu, excuse notre ancêtre Diongou Serou pour la parole posée. Place posée, place posée, place posée. Les vieux sont partis à la maison. Dieu, excuse-moi pour le mal de la parole. Tu es le maître de la parole. Pour toi, en haut, c'est glissant. Pas pour les enfants, pas pour les amis. Les yeux de tous ont vu la parole. Les femmes ont vu la parole. Les enfants ont vu la parole. Les gens du sud sont venus, ils ont vu la parole. Les gens du nord sont venus, ils ont vu la parole. Les gens de la plaine sont venus, ils ont vu la parole. Ils regardent d'un œil ouvert, d'un œil fermé. Ta parole est posée dans la bouche. C'est le bon travail de la bouche. Toi, en haut, pose-toi sur la crosse-siège. Tous les hommes sont assis sur la crosse-siège. Ils ont pris en main une queue de cheval, même les grands, même les petits. Après l'avoir brandi en l'air, la parole s'est posée dans les oreilles de tous. Tous dans la vieille caverne. Nous sommes dans la vieille caverne. Nous sommes dans la vieille caverne de la vieille enclume de pierre de Hugo. Je me confie à la caverne de l'enclume. Je me confie à l'arbre de la vieille mare. Les vieux sont partis. Moi, je suis un enfant. Je suis petit, ma tête est petite. La parole d'en haut s'est posée dans les oreilles de tous. Les Oulubarous, nous sommes partis en brousse pendant plusieurs lunes, une, deux, trois lunes, pour écouter la parole. Toi, tu ne vois pas ton père, tu ne vois pas ta mère, tu ne vois pas ta sœur, tu ne vois pas ta femme, tu ne vois pas tes enfants. Après être descendus en brousse, les Oulubarous rentrent à la maison avec la parole de Mouno. Tous ont vu cela, tout ce bon travail, tout le monde l'a vu. Sortie de l'Est, la chose qui vole est sortie de l'Est elle est sortie. Le voilà venir, doucement marchons, voilà venir le grand masque, doucement, doucement marchons, salut de brousse. Allez les petits enfants, allez devant. Prenez le chemin devant, prenez le chemin derrière, les pieds doivent aller vite. Pour aller de la brousse à la maison, il faut marcher devant, il faut marcher derrière, marcher d'avant en arrière. C'est le chemin de la parole, salut le travail. La marâtre Yaïré danse, la Yassigui, la jumelle du renard, danse. La deuxième femme de Diongou Serou danse, en sautant, elle danse. La femme aimée de Tomo, quand elle danse, éparpille la pluie. Nomo, Nomo du crocodile, Nomo étranger, déjà a vu le père, Nomo a déjà vu le père. Celui qui va en brousse, même s'il est tard, il faut y aller pour voir les Oulubarous qui sont en brousse. Celui qui va en brousse, est-ce interdit? Le masque qui va en brousse, est-ce interdit? Allez en brousse, est-ce interdit d'aller en brousse?
L'ombre de la falaise est grande sur la brousse. La nuit est venue. Poudougou, Poudougou, le sigui est fini. Le lendemain, le sigui est apporté au petit village frère d'Amanibangou. Alors que nous marchons le long de la falaise, nous comprenons mieux le nouveau périple du sigui. Les trois premières années jusqu'à Bongo et Sanga permettaient à l'ancêtre Diongou Serou de renaître sous forme de serpent grand masque pour 60 nouvelles années. Ici à Mani, la parole des chants et les clameurs en sigisso préparent la naissance de nouveaux Nani, le répondant vivant du culte des morts. Et ce que les hommes ont apporté à Mani Bongo, c'est la parole. Le fruit de l'arbre ça est-il mûr? Le fruit du ça, le fruit vert du ça est-il mûr? Les hommes poussent le cri du renard et rentrent sur la place publique d'Amanibangou. Elle est sortie de l'est, la chose qui vole est sortie de l'est. Alors, les anciens d'Amanibangou, debout sur le rocher d'en face, au-dessus de leur grand masque, reçoivent la parole du vieil Oloubarou d'Amani. Toutes les paroles de l'ancêtre sont venues à la maison. Alors, la voix de vos sœurs s'est fait entendre. Ce sont de grandes paroles, des paroles anciennes. Ce ne sont pas seulement trois personnes, c'est tout le monde qui les a entendues. La voix de vos sœurs s'est fait entendre. Le chemin d'Amma est le vrai chemin. La parole est la parole d'Amma. Et d'en face, les anciens répondent. Oui, c'est la parole ancienne qui est venue dans notre maison. Maître de l'espace, fais entendre les paroles de ta bouche. La grande parole est la parole ancienne. Tous ceux qui sont derrière moi, après avoir parlé la parole du Sigui, te saluent. À toi, salut, salut, salut. J'ai entendu, tu es venu dans notre maison. De ta bouche, une parole bonne pour tous s'est posée dans l'espace. La parole d'Amani a été posée dans l'espace. Nous entendrons son écho l'année suivante, en 1971, à Idieli. Ce sont les Oloubarou, dont la retraite s'achève dans une paillote gardée par une réplique simple du grand masque, qui répondront à la falaise d'Amanibangou en faisant ce soir-là tourner les rombes, la voix même des trois ancêtres, le renard, le poisson et Diongou Serou, le premier mort. À cette voix rugissante accompagnée par les aboiements des chiens, tous les hommes de moins de 60 ans quittent le village. Le lendemain, le village est vide. Les anciens nous autorisent à rejoindre les hommes qui sont au sommet de la dune, en face du village. La seule condition, ne pas manger, ne pas boire. Quand nous arrivons, tous les hommes sont enterrés dans des trous qu'ils ont creusés dans la nuit. Ils sont dans le placenta de la terre. Certains terriers sont recouverts de branches pour avoir un peu d'ombre. Tous les hommes du village sont là, enterrés. Les trois Oloubarou sont
sont dans une fosse au pied d'un arbre. On dort, on a soif, on ne parle pas, et même les chiens recherchent l'ombre rare. Vers 2 heures de l'après-midi, après plus de 12 heures de retraite, un Oloubarou reçoit l'ordre de faire tourner le rhombe. Le premier rhombe est celui de Diongousserou, le premier homme mort, dont il représente la langue arrachée. Et le rhombe dit « Je vais tous vous avaler ». Au loin, en Siguissou, un ancien parle. Salut de brousse, salut de travail, salut de froid, salut de vent. Grand masque, depuis 3 mois, j'ai entendu ta voix. Grâce aux anciens, nous arrivons à notre jour de masque. C'est notre tour. Je vous félicite. Alors, le deuxième rhombe, celui du poisson anagono, répond « Je vais avaler l'enfant, je vais avaler la mère. » Soyez les bienvenus dans la brousse, grand masque, nous entendrons ta voix. Le troisième rhombe, le renard pâle, le yurougou, tenu par la queue et tournoyant, répond « Je vais avaler, je vais avaler. » Ama, donnez le jour, c'est votre jour, la journée est presque venue. On va vous guider, les anciens vous attendent. Masque, salut de brousse, salut de froid, salut de vent. Un ancien monte du village, il appelle les gens du Sigui. Nos enfants sont là. Grand masque, laisse ta voix, laisse ta voix. Enfants, vous pouvez venir. Alors, c'est la naissance. Les enfants nouveau-nés sortent de la terre et toute la dune s'anime. On va sortir des trous. Eh, on est couvert de sable. Nous étions cachés. Où allons-nous aller? Débrouille-toi. Où pars-tu comme cela? Les Oloubarous, passez sur le côté. Les plus âgés, mettez-vous devant. Les autres, suivez par rang d'âge. Alors, c'est la nouvelle génération de nouveau-nés qui descend vers la falaise et le village, accompagnée par la voix du rhombe, par la voix du yurougou, du renard pâle, du premier créé. Les nouveau-nés vont se baigner à la source permanente d'Idiélie, qui, sans doute, a déterminé le choix de ce village
pour ce rituel particulier de la naissance. Malgré la soif, personne n'a le droit de boire l'eau de la source. Les hommes boiront la bière plus tard. La bière de mil, mêlée d'huile de sésame que les femmes ont préparée et dont elles remplissent les 8 grandes jarres d'une 60aine de litres chacune, là-haut, sur la place publique du village. Les femmes apportent aux hommes lavés les parures du sigui dans des paniers d'osier. Prends de l'huile de ça pour te frotter. Un oloubarou, un nouveau dignitaire, s'enduit le corps avec l'huile de l'arbre sa, l'arbre du génie de l'eau, l'huile des nouveau-nés. Vos habits sont dans les corbeilles, cherchez. Voilà le collier, voilà le bracelet. Faites vite, la nuit va venir. Si vous ne serrez pas bien, cela va tomber. Tends la main pour qu'on puisse bien l'attacher. Attends, attends, c'est trop serré. Je vais desserrer un peu. Vous avez fait trop de nœuds, je ne peux pas l'enlever. Les habits sont dans les paniers qu'on les ramène au village. Ceux qui sont habillés, dégagez-vous un peu. Bientôt, tout le monde est habillé, comme à Amani, pas de baudrier de Cori, sauf pour les dignitaires Oloubarou. Le doyen du village frappe les 3 coups d'appel du tambour. Ils sont ponctués par les cris du renard. Le chemin, il faut le montrer, l'ancien chemin. Kama vous amène en bonne santé. Kama vous amène en paix. Tambourinaire, allez devant. Après, suivez-le par rendage. Lever, retourner, lever, retourner. Le frère masque s'est levé, il s'est retourné. Le masque avance doucement, doucement, doucement. Le masque vient doucement. Les petits, activez-vous. Allez. Allez vite, les petits enfants.
clame le Siguisso. Salut de Brousse, c'est bien, continuez. Tambourinaire, jouez bien. Salut de Brousse, votre danse est jolie. Salut de soleil, salut de soif, salut de faim, salut de travail. Sortie de l'Est, ah oui, sortie de l'Est, la chose qui vole est sortie de l'Est. On dansera ici 2 jours. Le deuxième jour, la sœur du Sigui, la Yassiguiné, la jumelle du renard pâle, vient rejoindre les Oloubaris. C'est une jeune maman qui tient son enfant dans ses bras et qui brandit de l'autre la calebasse de la Yassiguiné. Après les 3 cris du renard pâle, un Oloubarou sert la bière de mille. Salut de brousse, salut de soleil, salut de soif. L'aide des parents est plus douce que la sauce avec du sel. Les enfants, avancez par là. Asseyez-vous, asseyez-vous. Donnez à boire, il faut d'abord donner aux vieux. Avez-vous donné aux vieux? Est-ce qu'ils ont goûté? Oui. Alors il faut donner aux jeunes. Il faut donner aux jeunes danseurs du Tigui. Il faut donner aux enfants. Grâce à Ama, le créateur, on a eu le jour, on a eu le jour du Tigui. Demain, le Sigui quitte définitivement Idiélie et la plaine. Le Sigui escalade la falaise vers le village de Pélou. Doucement, doucement, le masque est en marche. Le masque s'en va doucement, doucement. En 1972, le Sigui de la 6e année est à Yamé. Yamé est un village de plateau, dans une zone déjà islamisée. Alors, les fidèles des villages voisins de Sourulou, de Menamena, de Wolo Wolo, se réunissent pour faire avec les gens de Yamé un Sigui collectif. On se rassemble en brousse, à l'est du village. Et c'est là que le matin même se font les derniers préparatifs. Les participants ont amené leurs parures et leurs vêtements dans des sacs de voyage. Ce que je mets sur ma tête, c'est bien ou non ? Oui, c'est bien. Est-ce devant, est-ce derrière? Non, en haut, c'est mieux. Mets-le comme cela, relève-le. Oui. Est-ce que l'on doit mettre les parures de perles d'abord? Non, débrouillez-vous. Aidez-vous les uns les autres. À Yamé, contrairement à ce que nous avons vu jusqu'ici, les tenues du Sigui sont des habits de femme. Pagne, camisole, jupe, robe. Et avec du bleu de lessive, les hommes se fardent des tatouages de femmes. Manakaru sur les joues, Dirouweni sous les yeux, Dimouweni sur le front. Seuls les 3 Oloubarou, dont l'un est très âgé, portent des baudriers de kori. Ils drapent, au-dessus de leur bonnet pointu de Sigui, des mouchoirs de tête de femme. Aide-moi à plier. Je veux le mettre à l'épaule. Non, c'est sur la tête. C'est bien comme cela. Oui, c'est très bien. Les Oloubarou ont à côté d'eux leur calebasse, leur crosse-siège et leur rompe. Alors le doyen du village d'Idiélie appelle le Sigui. Asseyez-vous sur les pierres. Regardez vers l'est. Et en Sigisso, il parle.
Ama, bonjour. Les ancêtres, bonjour. On a eu la fête, mais les anciens ne sont plus là. Ceux des anciens Sidi sont morts et les autres sont là. Je ne connais pas l'histoire. Ma bouche est trop petite. Salut les anciens. C'est de l'Est qu'ont commencé les premiers Sidi. C'est pourquoi vous êtes tournés vers l'Est. Je ne pourrais pas dire le tout, mais je sais que le Sidi va de l'Est vers l'Ouest. Maintenant, vous êtes fatigués. Commencez à chanter. Grâce à Ama, on a eu le jour. Grâce à Ama, on a eu le jour. Grâce à Ama, on a eu le jour. Chantez bien tous ensemble. Merci, merci de Brousse. Maintenant, il faut vous retourner vers l'ouest, car il faut chanter pour les villages de l'ouest. Sidi debout, pour que l'on aille à la maison. Oh, masque debout, pour que l'on aille à la maison. Et les masques, levez-vous. Debout le Sidi, debout. Il faut se retourner vers l'Est. Il faut que vous vous leviez. Tenez votre cloche et faites-la sonner. Maintenant, suivez. Suivez, on va vous montrer le chemin. Ama, salut, Ama, salut. Ama, mur du sanctuaire des prêtres. C'est Ama que l'on doit saluer d'abord. C'est Ama qui est le maître de l'espace. Et la procession du Sidi, avec les trois Oloubarou juste derrière les anciens, pénètre dans le village de Yamé. Tous s'accompagnent de la cloche d'Inou, qui est la voix du génie de l'eau. Depuis qu'il est sorti, depuis que le masque est sorti, oui, depuis que le Sidi est sorti, il y a bien longtemps. Et les petits garçons habillés en petites filles forment la queue du défilé du serpent à travers les rues du village. Là-haut, sur les terrasses, les mamans surveillent les plus petits. Alors, le Sidi entre sur la place du Toguna de l'Ouest, de l'abri des hommes de l'Ouest. Grâce à Ama, on a eu le jour. Grâce à Ama, on a eu le jour du Sidi. Les hommes d'un même village se reconnaissent à leur uniforme. Asseyez-vous tous pour boire la bière. Comme à Nougo, les hommes ne s'asseyent pas sur la crosse siège.
Le doyen apporte la bière. Moi, je n'ai même pas eu le temps de manger. Il n'y aura peut-être pas assez de bière pour tout le monde. Je vais vous arroser avec mon chasse-mouche. Alors, on sert la bière de mille, qui est blanche comme du lait. Le lait des enfants qui n'ont pas encore été sevrés, des enfants qui sont encore maternés. Et les femmes du village apportent la nourriture pour tout le monde. Et un ancien dit, maintenant, mettez les donos sur le toit du Toguna. Alors, les danseurs plantent leur croix-siège dans le toit de bois du Toguna, de l'abri des hommes. Ce Toguna de l'Ouest, qui marque peut-être aujourd'hui la limite extrême du Sigui vers le soleil couchant. Dans l'après-midi, les danses recommencent. Accompagnés par les cloches, les tambours battent Iminaboy. Et les hommes, habillés en femmes, sans crosse-siège, mais brandissant leurs calebasses, dansent des danses de femmes. Passez de ce côté. Laissez la place libre au milieu. Laissez-nous au milieu, c'est comme cela que c'est le plus joli. Et un homme remercie les femmes pour leur cotisation pour le Sigui. Notre sœur Yadigueré vous donne cela comme un salut de brousse et pour boire la bière. La sœur d'Apourali qui s'appelle Aguélon vous donne cela et un salut de brousse. Salut de brousse, salut de brousse. Les sœurs Ambéré Yaïbem donnent cela pour les Oloubarou. Merci pour hier à celle qui a fait le cadeau. Alors le vieil Oloubarou dit, taisez-vous, laissez la parole. Le petit frère Oloubarou va vous dire en Sidisso ce qu'il a appris. Il y a des grands frères, il y a des petits frères, il y a des femmes, il y a des enfants. Aujourd'hui, nous sommes venus ici. La coutume nous a amenés. C'est le chemin que nous connaissons. Ce que nous avons appris en brousse, c'est cela que je vous dis. Nos grands frères nous voient. Ils nous montrent le chemin. C'est pour cela qu'ils sont là. La coutume dépérit, mais la coutume ne meurt pas. Salut de brousse. Alors les tambours rejouent Iminaboy et on boit à nouveau la bière. Alors, les trois Oloubarou reviennent sur la place du Toguna en tenant leur croix-siège. Ils parlent en Sidisso. N'est-ce pas cela que j'ai dit? Oui, c'est cela. Était-ce bien? Oui, c'était bien. Était-ce bien ce sillier que nous avons fait? Oui, c'était bien. Oui, c'était très bien. C'est le pays natal, c'est la coutume. Il y a des gens qui nous regardent, c'est bien. Nous étions nombreux, on a bien dansé, on a bu, c'est bien, c'est la coutume. Salut à vous tous, salut. Ce que tu as dit, nous l'avons tous entendu. La nuit est venue, laissez-nous maintenant. Maintenant, nous prenons le chemin.
Nous avons bien entendu le nom de celles qui ont fait des cadeaux. Nous allons prendre le chemin. Salut de Bruce. Salut de Bruce. Merci. Nous avons compris. Salut de Bruce. La nuit est venue. Nous allons partir. Je vous donne le chemin. Salut à vous tous. Salut, la nuit est venue. Laissez maintenant, laissez le bruit. Je vous donne le chemin. Notre grand frère, nous avons entendu ta voix. Merci de travail, merci de fatigue, merci de soleil, merci de vent, merci de froid, merci de brousse. Alors, une dernière fois, le tambour joue Imina Boy. De l'ouest est couvert des crosses sièges qui resteront là jusqu'au prochain dama collectif, jusqu'au prochain lever de deuil pour les villages voisins dont les habitants sont restés fidèles aux anciennes coutumes. Et les trois Oloubarou, agitant leurs cloches, partent vers l'ouest, vers le soleil couchant. Quelques jours plus tard, en 1972, sur un chemin du plateau près de Bandiagara, nous rencontrons cet homme. Il porte encore sa tenue du Sigi, les bijoux de sa sœur. Il a laissé sa crosse siège dans le Toguna de Yamé. Il rentre dans un village lointain islamisé. Nous, nous avons suivi jusqu'à ses extrêmes limites le Sigi depuis 6 ans. L'année suivante, la 7e année, nous voulions revenir. Mais 1973 fut la grande année de la sécheresse au Sahel. Il n'était pas question de suivre un rituel où l'on boit la bière de mil en grande quantité. Alors, en 1974, nous avons reconstitué la fin du Sigi avec nos amis Diamgouno, Ineogo et Delou, qui ont refait pour nous ce que les trois Oloubarou de Yamé avaient fait l'année précédente. Un soir, les trois Oloubarou en costume ordinaire de Bruce ont pris le chemin de Songo sur la route de Bandiagara à Mopti. Ils ont franchi la limite et sont arrivés à la nuit près du rocher de la descente du Forgeron. Là, ils ont sacrifié une chèvre et ils ont gardé sa peau. Le matin, ils sont allés visiter l'auvent de Songo. Ils ont rafraîchi les peintures. Vous voyez cela? Oui. C'est le nomo, c'est le génie de l'eau. Vous voyez sa bouche ouverte? Sa bouche est en haut. En bas, il y a la queue, ou les pieds, ou notre bouche. C'est la marque du nomo, rouge, blanc et noir, comme l'arc-en-ciel, celui que l'on a sacrifié au ciel. Vous voyez le rouge? C'est le sang. Et ces taches, ce sont ces morceaux éparpillés. Oui, salut. Vous voyez cela? Cela, c'est le dessin du Sigi. En haut, il y a 3 points. Ce sont les 3 premiers Sigi que l'on a fait. Le premier, c'est Yugo. Le second, c'est Tiogu et Haru. Le troisième, c'est Bongo et Sanga. Plus bas, il y a 3 autres points. Ce sont les autres Sigi que l'on a fait ensuite. Le quatrième, c'est Ireli et Amani. Le cinquième, c'est Komokan et Yeli. Le sixième, c'est Yamé et Wolo Wolo. Et tout en bas, il y a un 7e point. C'est le 7e Sigi, celui d'ici, celui de Songo. À côté, il y a un bonhomme, il tient quelque chose à la main. Peut-être la peau de chèvre qu'il va rapporter à Yugo de Goro. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas fait le Sigi, ici à Songo. Aussi, on ne sait pas pour l'avenir, mais les pères d'ici sont obligés d'accepter le message et de le transmettre jusqu'à Yugo. Merci. Salut de Bruce. Maintenant, suivez-moi pour voir le lieu de la circoncision.
Attention, la route est difficile. Salut. Si Calbaz est circoncis, personne n'a le droit de le toucher. Celui qui les touche, il va mourir. Il y a un responsable, maître du lieu, le maître des Calbas. Elles sont bien protégées ici, de la pluie et des termites. Cette caverne de la circoncision est interdite aux femmes et aux hommes qui ont eu des rapports avec leurs femmes depuis moins de 6 semaines. Car ils sont en règle, ils doivent attendre. Merci, Diane. Tu n'as rien oublié des coutumes. Non ? Au revoir. Maintenant, partons. Au revoir. Et voilà les peintures. Voilà les sacoches du Sidi. Celle-là est ancienne. Celles-là sont plus anciennes encore. Salut, salut les trois masques. Salut, masque du guérisseur. Ici, sur ces pierres, le doyen s'assied pour circoncire les enfants qui sont assis en face de lui. Vous voyez ? Oui, on a vu. Là, il y a encore des sacoches du Sidi. Et là, après la circoncision, le doyen organise une course entre les enfants qu'il vient de circoncire. Ces trois ronds, c'est le soleil, la lune et une étoile. C'est celle-là que l'on doit toucher en premier. Celui qui la touche le premier aura du bonheur et des récoltes abondantes. Et les suivants en auront un peu moins. Les enfants qui n'ont pas pu toucher cela, pour eux, c'est trop tard. Tant pis. Suivez-moi, partout il y a des dessins. Voilà un serpent qui a des taches comme celui du lébé. Il va vers le bas, vous avez vu? Il y en a un autre qui va vers le haut, vous avez vu? Oui. Voilà encore une sacoche du Sidi. Tout ce qui s'est passé au Sidi est dessiné ici. Voici un autre serpent, la bouche est vers le bas. Oui, nous voyons. Ça, c'est un crocodile. Il est près du Nomo, le génie de l'eau. C'est son messager. Et voilà le Yurugu, le renard pâle. C'est lui qui racontait tous les mensonges dans le monde. C'est un trompeur. Lui et le Nomo, c'est la bagarre. Vous voyez, le renard est toujours là. Il vadrouille partout. Vous voyez la direction qu'il prend? C'est la direction de trahison, la direction du sud. Voilà, vous avez bien vu? Salut, au revoir. Mais ce Yurugu, ce petit renard pâle de l'auvent de Songo, ce maître du désordre, c'est lui aussi le premier circoncis. C'est lui peut-être le vrai gardien de l'auvent de la circoncision. En visitant cet auvent, les trois Olubaru de Yamé ont achevé le cycle du Sigi. Ils ont été procréés à Mani, ils sont nés de la dune d'Idieli, ils ont été maternés à Yamé, et maintenant ils sont devenus des hommes à Songo. C'est cela la fin du périple du Sigi. Après 7 années, 3 années de cycle de la mort et 4 années du nouveau cycle de la vie. Et les 3 Olubaru de Yamé font l'étape de retour. Sortie de l'Est, sortie de l'Est, la chose qui vole est sortie de l'Est. La langue de Diongou Serou, le rhombe qui vole est sortie de l'Est. Il vient, marchons doucement. Le masque vient, marchons doucement, doucement, doucement. Eh, j'ai soif. Buvez vite. Il fait chaud. Le soleil est sorti. Allons vite. Allons vite. La route est longue.
Mais Dieu est Dieu, hein, c'est le grand frère Masque, oui, le grand frère Masque. Parures dispersées, parures abandonnées, c'est le grand frère Masque. Vous nous avez rencontrés et rencontrés, frère Masque. Vous avez dit que vous ne vouliez pas nous regarder. Hé hé, vous nous avez rencontrés, vous nous avez regardés, vous les gens de Songo, qui n'avez pas voulu faire le sigui. Le sigui s'envole assis sur le dono, sur la crosse-siège. Le sigui passe d'un village à un village lointain, pour rien, sans fatigue, envolé, assis sur le dono. Hé, hey, voilà Yugo, voilà l'enclume de Yugo. Le sigui s'envole, assis sur le dono, le sigui s'envole. Nous arrivons, nous sommes de retour de voyage, nous avons transmis le sigui, nous sommes de retour. Vos masques sont de retour dans la vieille caverne de l'enclume de Yugo. Salut les vieux, le matin est venu. Le sigui ne repartira d'ici pour un nouveau périple qu'en l'an 2027. Mais déjà en 1981, les vieux de Yugo ont commencé à réunir des contributions pour leur permettre de préparer la bière de mille que l'on ne boira que dans 46 ans avant de repartir le long de la falaise. Et quand, en l'an 2032, le sigui atteindra les zones interdites, ses messagers chanteront encore. Frère Masque, vous ne voulez pas nous regarder. Hé hé, vous nous avez rencontrés et vous nous avez regardés. Et peut-être, dans le rugissement de la voix du renard du maître du désordre, sur l'auvent de Songo, le génie de l'eau, le Nomo, sera-t-il toujours aussi rutilant qu'aujourd'hui, noir, rouge et blanc sur la roche jaune, de la couleur même des quatre éléments.
Mm-hmm.